Professeur Chemseddin Chitour, bonjour. Bonjour. Alors l'école, le berceau de la formation, nous célébrons aujourd'hui une date symbolique dans l'histoire de l'Algérie, celle de l'étudiant. C'est entre symbole et acquis, avons-nous réussi ou échoué à faire de l'école le socle de l'intelligence, professeur Chitour. Merci de m'avoir invité, c'est effectivement un anniversaire très important. La symbolique du 19 mai est très importante en ce sens que les universitaires algériens, les écoliers, les lycéens ont montré qu'ils étaient partie prenante de la révolution. Donc le 19 mai, comme un seul homme, comme une seule femme, ils ont quitté les Antilles, les écoles, pour aller porter en quelque sorte leur part dans le combat pour l'indépendance du pays. Évidemment, cette date symbolique est pour nous un repère qu'il ne faut pas oublier. En ce sens que pour nous c'est un ressourcement. Ce sont des gens qui se sont battus. Moi j'ai toujours en tête un universitaire qu'on appelait le chimiste, Talb Abdrahman Allah Rahmo, 28 ans, guillotiné le 24 avril 1958 pour avoir voulu se battre contre le colonialisme. Et il fut d'un courage exemplaire. En ce sens que même devant la guillotine, il a eu une position tellement respectable que le bourreau lui-même raconte dans son histoire qu'il a été troublé. Et le bourreau raconte qu'il lui a enlevé les lunettes et qu'il les a chez lui quelque part en France, comme en quelque sorte un viatique de ce qui lui restait de la Révolution française. Donc tous ces exemples-là sont pour nous en quelque sorte des repères qu'il ne faut pas oublier. Et je crois honnêtement que nous devons réhabiliter le système éducatif algérien en disant qu'il y a eu quand même des gens qui se sont battus pour l'Algérie et qui étaient des intellectuels, qui étaient des universitaires. Pendant très longtemps, les universitaires, les intellectuels ont été marginalisés. Le moment est venu de remettre tout ceci à plat, dans le calme et la sérénité, pour dire qu'à côté des maquisards et des volontaires de la mort, les musulmans, il y a eu quand même des intellectuels qui se sont battus, qui ont fait que la révolution a réussi. Je cite notamment les médecins, je cite notamment les hommes de théâtre, l'équipe de football du FLN, les universitaires, dans leur immense majorité, ont fait ce qu'ils ont pu. L'exemple le plus courant, si vous permettez, que je vais vous dire aussi, c'est celui d'un professeur universitaire qui est actuellement en retraite à Paris et qui est aussi qui a fait le maquis. Il est professeur à Paris, mais quand je lui dis, en fait, tu as été maquisard, il dit, j'ai fait mon devoir. Il n'a fait que son devoir et il est retourné à la fac. Il était professeur à Polytechnique à Paris, sur Khlefan, qui est actuellement en retraite. Donc, pour revenir à votre question qui est très importante, le socle d'une société, c'est un système éducatif performant. Mais à l'indépendance, nous avons fait, est-ce qu'on a fait de l'école une priorité pour la formation des générations d'Algériens, au-delà bien sûr de la scolarisation qui était devenue obligatoire pour tous les enfants? Écoutez, nous étions un peuple qui était en quelque sorte empêché pendant 132 ans d'aller à l'école. L'école était permise à dose homéopathique, il faut bien le dire. Donc à l'indépendance, il y avait ce besoin. La massification était nécessaire. Il faut savoir qu'en 132 ans, le système colonial n'a formé qu'un millier d'Algériens. Et pendant la Révolution, le président Farhat Abbas a dit qu'on a formé un millier. Vous imaginez, en 6 ans, le FLN historique, pas le FLN actuel, le FLN historique a formé 1 millier de cadres. Ceci n'a pas suffi. Parce qu'imaginez-vous, nous sommes en septembre 62, les Français sont partis, l'encadrement était parti, qu'est-ce qui nous restait? Nous avions à peu près 600 000 élèves qui étaient scolarisables, alors que nous pouvions avoir beaucoup plus, mais le système français était tel qu'on ne pouvait pas scolariser plus. Il fallait donc enseigner. L'Algérie a fait appel à nos pays frères, il faut bien le dire.
Et parmi les pays frères, c'est surtout les Irakiens, les Égyptiens, les Syriens qui nous ont envoyé, il faut bien dire, pas les performants. Ils nous ont envoyé des personnes pour venir enseigner. Et il est évident que, si on regarde bien, j'ai fait dans un de mes ouvrages, j'ai fait l'inventaire du nombre de nationalités. Il y avait 26 nationalités qui concouraient à formater l'imaginaire du jeune Algérien. Alors, on a vu, on le voit actuellement, aujourd'hui, professeur Chemseddine Chitour, c'est que malgré toutes les réformes qui ont été engagées par le passé pour faire de l'école une école de qualité, certains considèrent qu'on a échoué, on a fait plutôt le contraire. Quelle est votre réponse? Je vous avais dit tout à l'heure que la massification était nécessaire. Donc, il y avait un besoin, une soif d'apprendre. Donc, l'école a été ouverte à tout vent. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu par la suite le courage politique de dire, écoutez, on ne peut pas faire tout, continuer à cette façon-là. Je vais vous dire une chose. Actuellement, nous sommes à peu près à 9,5 millions d'élèves. 9,5 millions d'élèves, c'est énorme. C'est à peu près le quart du pays. Il y a à peu près 25 000 écoles, 3 000 lycées. C'est une force de frappe très importante du point de vue quantitatif. Le point de vue qualitatif, c'est une autre affaire. Notre grand problème, c'est que cette massification a été entretenue. On ne s'occupe du système éducatif qu'au mois de septembre. Il faut que la rentrée se fasse. Il ne faut pas qu'il y ait de vagues. Après, on l'oublie pendant toute une année. Quand vous voyez des ministres, quand ils vont inaugurer, ils n'inaugurent pas un acte pédagogique, c'est-à-dire qu'une création intellectuelle. Non, ils inaugurent des amphis, des salles de classe. Et à bon droit, le système dit, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Actuellement, pour vous donner une idée, le système éducatif, c'est 780 milliards de dinars. C'est important. 780 milliards de dinars pour 10 millions d'élèves. Ce qui est à peu près 78 000 dinars par élève. Il faut savoir que ces 78 000 dinars, c'est à peu près le dixième de ce que dépense un élève en Europe. Je veux dire par là qu'on ne met pas assez de moyens. Et même, pour être honnête aussi, si vous prenez tout le système éducatif, c'est à peu près 1100 milliards de dinars. C'est l'équivalent du ministère de la Défense. C'est trois fois, c'est quatre fois le ministère des Moudjahidines. D'un côté, vous avez des Moudjahidines à 270 milliards de dollars, de dinars, et vous avez l'enseignement supérieur à 270 milliards de dinars. Il y a des problèmes. Il faut favoriser le système éducatif. On ne met pas assez d'argent et on n'est pas assez exigeant sur la qualité des formateurs. Alors, vous avez déclaré à l'instant que l'école a été ouverte à tout et à tout vent. Quelles sont les erreurs qu'on a commises par le passé qui font qu'aujourd'hui, nous payons cash ces erreurs? Je crois que d'abord, la formation des enseignants ne répond pas à des critères. Ça veut dire que nous ne sommes pas assez rigoureux dans la formation. Ce qui a tué l'école algérienne, c'est le ma'alish. C'est l'atba. Vous savez ce que c'est que l'atba? L'atba, c'est-à-dire qu'en fait, on indexe le niveau des épreuves du baccalauréat sur l'établissement le moins performant. Regardez un peu la démagogie. Parce qu'ils ont fait beaucoup de grèves, ils sont arrêtés pratiquement en février-mars, donc le programme ne portera que sur la période d'octobre à mars. Or qu'un programme est universel. Vous êtes en terminale, voilà ce que vous devez apprendre. C'est pas voilà ce que vous devez apprendre pour faire plaisir. Le gros problème, c'est qu'on a fait dans la démagogie. Le mot est assez fort, mais c'est cela. On n'a pas été assez juste avec les enseignants. Ils sont considérés comme moins que rien, il faut bien le dire. Alors que ce sont les gardiens du temple. Il faut être très rigoureux dans la formation, dans le recrutement. Mais d'une certaine façon, il ne faut rien laisser passer. Parce que le système éducatif, c'est la colonne vertébrale d'un pays. Et c'est le problème que nous avons actuellement, malgré tous les efforts des enseignants. Vous savez, il y a 600 000 enseignants. Et il y a 60 000 enseignants dans le supérieur. Mais est-ce qu'ils ont les moyens, les compétences pour pouvoir enseigner un enseignement de qualité? D'une part, est-ce qu'ils ont les moyens pédagogiques
pour faire un enseignement de qualité. Mais certains considèrent par rapport à cette question de formation des enseignants que le recrutement et la formation dans certains pays sont une priorité. Ce sont les meilleurs qui rejoignent les centres de formation des enseignants. Or que nous, durant les années 80-90, c'était un peu l'école était devenue un peu, ou l'enseignement était devenu le réceptacle de l'échec scolaire. Quel est votre commentaire? Ce sont ceux qui échouaient dans certaines épreuves qui rejoignaient les centres de formation des enseignants. Écoutez, on ne prête qu'aux riches. Quand vous payez les enseignants avec un salaire très faible, les gens n'y vont pas. On va vers la compétition, on va vers ceux qui vous donnent le meilleur salaire. On n'a jamais considéré l'enseignant comme étant en quelque sorte le premier responsable du pays. Avant le responsable politique. Parce que lui, c'est lui qui forme les générations futures. On ne lui a pas donné les conditions. Ça ne veut pas dire que tous les enseignants sont parfaits. Nous avons eu beaucoup d'enseignants, il faut bien qu'on fasse le ménage en nous-mêmes, qui ne sont pas à la hauteur. Le gros problème, c'est aussi, il faut bien le souligner, l'immixtion de l'administration dans le pédagogique. L'enseignant doit être responsable. Actuellement, il y a des grèves dans le pays. Monsieur le ministre s'adresse aux chefs d'établissement, au lieu de s'adresser aux enseignants. Ce sont les enseignants qui vont donner, qui vont cautionner ou pas l'année. Ce n'est pas les recteurs ou les chefs d'établissement qui sont là pour durer. Vous savez, ce sont des gens qui sont des paléo-enseignants, qui n'enseignent plus. Donc, ils sont des administratifs. Nous avons besoin de réhabiliter l'enseignant, de donner les moyens et être très rigoureux dans la formation de ces enseignants. Alors aujourd'hui, ce qu'on relève par rapport à l'université, puisque vous abordez l'aspect, professeur Chemseddine Chitour, c'est que malgré toutes les déclarations rassurantes, l'université, la grève des étudiants dans certaines universités pourrait-elle compromettre l'année pédagogique, même si certains disent qu'on peut la différer au mois de septembre prochain? Écoutez, moi, c'est le cas ou pas le cas? J'ai une pénible expérience il y a quelques années de cela, une dizaine, une quinzaine d'années de cela, un ministre aussi de l'enseignement supérieur a validé. Qu'est-ce que ça veut dire valider? C'est pas à lui de valider. Il y a un programme. C'est en son âme et conscience, le conseil scientifique, les enseignants, doivent dire oui ou non. C'est au cas par cas, par établissement. C'est pas une mesure globale. Il y a des établissements qui ont avancé. Pas de problème. On peut, dans tous les cas, moi je suis de ceux qui disent que l'année n'est pas perdue. Nous pouvons le faire, mais pas avec les mécanismes actuels. Mon sentiment, c'est qu'il faut rapidement mobiliser la communauté universitaire, mobiliser les enseignants. Pourquoi l'université, le système éducatif est à plat? Parce qu'on s'adresse aux administratifs. L'administratif, il est là pour ramener la ressource. Il n'est pas là pour s'ingérer dans le pédagogique. Il y a donc des choses à faire. L'université, toutes les universités peuvent faire l'effort de décaler de quelques mois. Ça peut très bien se faire que la rentrée se fasse en novembre pour la nouvelle année et qu'on fasse les enseignements jusqu'à fin juillet pour valider au moins 80% de l'enseignement. C'est tout à fait possible, mais il faut un effort. Il faut remobiliser les enseignants. Il faut donc s'adresser à eux. Alors, professeur Chemseddine Chitour, nous allons projeter dans l'avenir. Le combat pour une nouvelle République doit s'accompagner impérativement d'un combat pour une université de qualité, place à la connaissance, au savoir et à l'avenir. Je crois que nous sommes à une croisée de chemin. L'Algérie a des potentialités, et je le dis sans démagogie. Nous avons quand même 1,5 million d'étudiants. Nous avons quand même près de 500 000 dans la formation professionnelle. Et il faut se battre pour qu'elle ne soit pas en quelque sorte le réceptacle de laisser pour compte. Il faut permettre aux élèves de la formation professionnelle de rejoindre l'université. Donc c'est une nouvelle université, c'est une nouvelle école qu'il faut mettre. Une école qui doit servir comme ascenseur social. Une école du mérite. Une école où les enseignants sont bien payés, non pas d'une façon extravagante, mais au moins qu'on sache, dans le meilleur pays du monde, pour vous donner une idée, la moyenne est à peu près de 60 000 euros par an, c'est-à-dire l'équivalent de 5 000 euros par mois. Par exemple, en Finlande, c'est l'un des pays
les plus avancés dans ce domaine. 60 000 euros, vous comparez aux 3 000 euros algériens. Vous voyez donc qu'il y a un rapport de 1 à 20. Il n'y a pas de miracle. Quand vous payez un footballeur à 450 millions par mois, il y a quelque chose de pourri dans le système. Ça ne peut pas marcher. Il faut réhabiliter les foyers. Quand vous voyez des parents d'élèves, ils vous disent, écoutez, l'école, ça ne mène à rien. Je vais aller inscrire mon fils dans le club sportif. Il a des chances de pouvoir. Vous n'avez qu'à voir les médias, vous-même, vous êtes complices. Quelle est la part du sport et la part de l'université? Est-ce que vous avez fait des émissions à l'université, à la télévision? Vous savez, par exemple, que des jeunes qui touchent l'équivalent de 100 000 dinars par mois, les meilleurs, ce sont des universitaires de top niveau, ont lancé des satellites algériens en Inde. Qui c'est qui en parle? Qui c'est qui en parle? C'est ça la science, notre visibilité à l'extérieur. Ce n'est pas le footballeur qui joue, qui est sur un banc de touche et qui touche 450 millions par mois. C'est ce que vous produisez. Les guerres du futur, ce n'est pas des guerres actuelles. Il faut totalement changer de logiciel. Nous sommes au 21e siècle. C'est l'économie de la connaissance, du savoir. Il faut revoir tous les métiers. Il y a des métiers pour lesquels nous formons et qui n'existent plus. Il faut donc le faire dans le calme et la sérénité. Mais pas en brusquant les équilibres qui ont mis du temps à s'établir. Il faut y aller doucement. Mais expliquer, faire de la pédagogie. Ouvrir l'enfant sur l'universel, sur la rationalité. Il ne faut pas que ça soit un robot. Il faut qu'il puisse réfléchir par lui-même. Donc, il faut qu'il puisse pouvoir découvrir la beauté des sciences. Quand vous pensez que le bac mathématique, c'est 2%, vous allez en Allemagne, c'est 35% les filières scientifiques. En Iran, un grand pays, 25%. C'est-à-dire qu'un élève sur 4 va dans les disciplines scientifiques. Et chez nous, on a étouffé les sciences. Il n'y a plus de filière d'ingénieurs dans ce pays. Il n'y a plus de filière de techniciens. On a créé un monstre qu'on appelle le LMD. On ne sait pas quoi en faire. Voilà les vrais problèmes du pays. Mais il faut qu'il y ait la sérénité. C'est-à-dire qu'il faut que l'école soit tenue hors des perturbations politiques. Il ne faut pas qu'elle soit la caisse de résonance. Laissons l'école travailler. Qu'il y ait un consensus politique. Il n'y a que la science qui passe. Il n'y a que la légitimité du neurone. Mais comment réhabiliter aujourd'hui l'université algérienne? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire impérativement? Il y a eu des réformes qui avaient été engagées par le passé plusieurs fois, par plusieurs étapes. La dernière, c'était la réforme de l'école proposée par le professeur Benzerou, qui a complètement, pour certains, vidé de son sens. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui impérativement, professeur Chitour, puisque vous avez fait plusieurs contributions dans ce domaine? Oui, non seulement j'ai fait plusieurs contributions. Vous avez été même, pour rappeler aux auditeurs, secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur. Je connais le système de l'intérieur. Vous avez été secrétaire général du ministère. Voilà. Donc, j'ai géré. De l'enseignement supérieur. Je sais de quoi je parle. Et mieux encore, je peux vous dire qu'en 40 ans de professorat, je suis professeur depuis 40 ans, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. La dernière en date, la commission que M. Bouteflika a mis en place, j'y étais. Benzerou est un collègue comme moi. Donc, il n'y a pas de priorité. Nous avons tous travaillé ensemble. Nous nous sommes battus pour essayer de faire quelque chose d'ouvert sur l'universel. Je vais vous dire une petite confidence. Nous n'avons jamais fait la réunion finale. Nous nous sommes battus parce qu'il y avait des gens, il faut bien le dire, qui étaient rétrogrades. Et nous avons dit, voilà comment il faut y aller. Et on ne peut pas amalgamer. On ne peut pas amalgamer la religion et les sciences et la technologie. C'est deux choses différentes. Moi, je suis religieux et je n'ai pas à lire, c'est mon affaire privée. Regardez, dans le Coran, il est dit 800 fois, il faut aller vers la science. Nous ne n'allons pas vers la science, on va vers la démagogie. Pourquoi un pays comme l'Iran tient debout, malgré tous les problèmes qu'il tient? Parce que c'est une nation technologique. Le prix Nobel de mathématiques, c'est une Iranienne, Maryam Mirzakhani, la médaille Fields. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a l'élite. Et il faut dans ce pays qu'on mette en place une élite républicaine. C'est un fils de paysan, mais j'ai besoin de lui.
C'est un professeur, c'est un université. C'est pas une élite de l'argent, une élite de la pourriture comme nous avons actuellement. Une élite scientifique, de gens qui ont bavé, qui apportent quelque chose au pays. Mais justement, quand vous dites qu'il y a eu des gens rétrogrades, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? Est-ce qu'il y a eu des courants idéologiques qui ont empêché la commission de mettre à terme son projet? Parce qu'il n'a jamais été rendu public aussi, le rapport. C'est clair, le rapport n'a jamais été rendu public. Mais il y a des choses très intéressantes. Il faudrait le reprendre? Je pense que c'est une base de travail. Les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils laissent le mouchimel fil bled hada. Le projet de société, c'est aussi un projet d'école, ouverte sur l'universel. Vous savez, il y a 3 ans, en 2017, je suis allé faire une conférence à Polytechnique de Montréal. Et il m'a été donné d'aller visiter le musée de Montréal. Vous voyez des enfants qui ont 5-6 ans, avec un instituteur, un maître, il leur explique la création de l'univers, comment l'univers est venu. Il leur explique la théorie de l'évolution. Vous voyez des petits loupiots qui sont en quelque sorte confrontés avec le réel. Et là, on amalgame tout. Non, il ne faut pas parler de ça. Pourquoi il ne faut pas parler de cela? Je serai un meilleur musulman si je connais la science. Parce que je suis convaincu. Mais non, on n'est pas là. Non, il ne faut pas toucher. Pourquoi il ne faut pas toucher? Le premier verset dans l'islam, c'est Iqra. Iqra. C'est la connaissance. Donc, il faut y aller, en essayant de faire en sorte qu'on rassemble le mouchemel. Est-ce qu'on aime le khair le blad hadi? Il y a des solutions, on peut s'en sortir, mais pas de chasse gardée. Ah non, faut pas toucher à ça, pourquoi ne pas toucher? Nous sommes au 21e siècle, les gens ont compris qu'il faut passer de la légitimité révolutionnaire, aussi noble soit-elle, à la légitimité du neurone. C'est ce qui permettra à l'Algérie, dans les 10, dans les 15 prochaines années, il n'y aura plus de rente. Si on va avoir une visibilité à l'international, il faut miser sur l'économie de la connaissance. Alors, Nouvelle République, sur de nouvelles bases aujourd'hui, la construit impérativement, professeur Chitou. Éviter les erreurs commises par le passé. Oui, en fait, ce sont des erreurs que nous pouvons mettre à profit. Rien n'est perdu si on sait y faire. Nous avons maintenant une force de frappe. On a ce qu'on appelle une masse critique. Bien. Maintenant, nous avons besoin de guides, de bons pères de famille, des gens capables de pouvoir rassembler les enfants. Nous n'avons pas besoin de diviseurs, nous avons besoin de multiplicateurs. L'économie de la connaissance, c'est quoi? C'est quand vous partagez une connaissance, vous la multipliez. Vous ne la divisez pas. Nous avons besoin de gens capables de nous dire voilà le cap. Voilà 2030. Comment y arriver? Et chacun d'entre nous, il doit donner le meilleur de lui-même, sans démagogie. Nous sommes tous de passage. Vous savez, c'est depuis 25 ans, je me bats, comme vous le savez, pour l'énergie. En vain. La dernière en date, c'était le 18 décembre. Et quel jour j'utilise dans l'année? Le 16 avril. La journée du savoir. La journée du savoir. Pour dire aux élèves ingénieurs, voilà, qu'est-ce que vous proposez pour sortir le pays de l'impasse où il est? L'impasse énergétique. Il n'y a pas que l'impasse énergétique, il y a l'impasse pédagogique, il y a l'impasse du système éducatif, l'impasse économique. Bref, chacun d'entre nous doit contribuer avec ce qu'il sait faire. La Deuxième République réussira si elle réussit à mettre en place un système éducatif performant. Alors justement, par rapport à cet aspect, on parle aujourd'hui de l'économie du savoir, de la connaissance savoir également, on parle de l'intelligence artificielle, où c'est les robots qui vont gérer le monde à l'avenir, dans un avenir très 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 proche, ils feront même les guerres directement ou indirectement. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a consacré à la ressource humaine une importance particulière ou pas du tout? On l'a toujours négligé. Certains considèrent que c'est le nul est indispensable qui a commencé à tuer l'Algérie. Je crois que, effectivement, le gros problème, c'est cette double décennie du mépris. Parce qu'en fait, c'est la double décennie du mépris, il faut bien le dire. On ne s'est pas occupé de l'Algérien. On s'est occupé de la paix sociale. C'est ça le drame. On ramène des Chinois, on ramène des Turcs, on ramène pour se substituer aux Algériens. Il n'y a pas eu de patriotisme, par exemple, économique.
On dit, voilà, nous pouvons faire, nous devons faire. Il n'y a pas à compter sur l'extérieur. Si l'extérieur, il est là, il passe, il s'en va. Mais certains disent que les Algériens n'auraient pas pu réaliser ce qu'ils ont réalisé. Par exemple, les Chinois dans le domaine de l'habitat. Et alors? C'est la mode? Voilà, par exemple, un sujet tabou, la démographie. Il faut qu'on en parle. On ne peut pas continuer. En 2000, on était à 30 millions d'habitants. Nous sommes à 42 millions d'habitants. Les moyens de l'Algérie sont insuffisants. Avec 1 million de naissances par an. 1 million, où est-ce qu'on peut aller comme cela? Comment voulez-vous avoir un système éducatif performant si vous ne maîtrisez pas les entrants? Vous voulez, je dis, dans une première étape, sauvons au moins 100 000 étudiants. 100 000 étudiants, donnons-leur les capacités pour pouvoir avoir les meilleurs enseignants. Pourquoi? Parce que c'est les futurs guides du pays. Il faut les former, leur donner les conditions. Il faut avoir de meilleurs lycées. Revitaliser les mathématiques, la physique, la biologie, les sciences qu'on vous dit. Vous savez, dans 10 ans, le marché de l'emploi a totalement changé. Ce n'est plus un marché de l'emploi classique. On vous dit si bien, la robotisation, l'intelligence artificielle, toutes les stratégies de communication vont changer. L'armée du futur, ce n'est pas l'armée que nous avons. C'est terminé. Maintenant, on le voit tous les jours dans nos rues, la révolution des 2.0. Oui, mais encore mieux, quand vous pensez que maintenant qu'avec un drone, vous pouvez voir vous ne voyez pas votre adversaire. Du fin fond du Texas, vous appuyez sur un bouton, et à 10 000 km de là, une cible est atteinte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'y mettre. Vous savez, le centre de recherche de la Navy aux États-Unis, 2000 chercheurs, 2000 docteurs. J'ai fait une conférence dernièrement au ministère de la Défense, je leur ai dit, il faut qu'on crée des centres de recherche de top niveau. Il faut miser sur l'informatique. On n'a pas pu mettre en place un plan informatique. Pourquoi? Parce qu'on considère que ce n'est pas une priorité. Alors que, si vous voulez, l'existence des nations doit être en phase avec le développement de la science. Sinon, disparaît. Imaginez simplement qu'actuellement, ce qu'a fait la Chine, ce qu'a fait l'Inde, ce qu'a fait le Brésil, ils ont conçu des ordinateurs à 30 dollars. Imaginez un petit ordinateur pour chaque élève, 30 dollars. C'est une nouvelle révolution. Vous n'avez plus besoin de cartable classique à 10 kilos. Vous lui donnez une tablette, un petit ordinateur. 30 dollars, on peut le fabriquer ici en Algérie. Imaginez simplement qu'on mette un plan informatique rapidement, 1 million de laptops. C'est 30 millions de dollars. La diaspora à l'étranger, si elle veut aider, elle peut aider. Si chacun met 10 dollars, on peut le faire, ce plan. Vous savez, 30 millions de dollars, c'est un quart d'heure de Hassim Sol. C'est toute une nouvelle vision qu'il faut avoir. Il faut plus qu'il y ait de cartable. Il faut que nos jeunes, nos élèves, puissent pouvoir avoir tous les cours. Il n'y a pas à imprimer comme on est en train d'imprimer 60 millions d'exemplaires. De polycopier par an. Il faut aller vers les sciences, même mieux dans l'enseignement supérieur. Actuellement, vous savez, toutes les disciplines sont sur Internet. Vous voulez savoir les mathématiques, elles existent, les cours existent. Nous n'avons pas besoin d'enseignants au sens classique du terme. Nous avons besoin d'éducateurs, des gens qui vous apprennent à vous en sortir dans le fouillis des connaissances, comment aller vers la connaissance la plus importante. Mais qui doit mener aujourd'hui ces changements, cette révolution, pour qu'elle arrive à terme, professeur Chemseddine Chitou? Est-ce que toute cette responsabilité incombera au futur président de la République? Ah, ça c'est sûr, mais seul il ne faudra rien faire. J'avais dit tout à l'heure, si vous m'avez suivi, il faut qu'il y ait, d'une certaine façon, ijma', comme on dit, un consensus de la société dans son ensemble, à savoir dire, écoutez, je fais de la politique, je fais ce que je veux. Mais l'école politique, l'école, j'y touche pas. L'école, c'est notre pupille. Les enfants sont la pupille de nos yeux. Donc il faut qu'il y ait les meilleurs enseignants. Il faut qu'il y ait les meilleures classes, les meilleures techniques, de telle façon à ce qu'on puisse évoluer. Mais mieux encore, il faut à un moment ou à un autre
mettre de l'ordre dans ce qui existe. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez un instant, professeur Chemseddine Chitou, vous parlez de consensus. Consensus pour une élection le 4 juillet, ou reporter cette élection présidentielle, c'est impératif pour vous par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Est-ce qu'on s'achemine pratiquement vers un report? Écoutez, là, c'est un autre fichier que vous me demandez d'aborder. Mon sentiment en tant que simple Algérien, j'ai dit il y a quelque temps de cela qu'il est impossible d'organiser rationnellement des élections dans un délai aussi court. Donc, me semble-t-il, il serait plus honnête, plus juste, plus judicieux de pouvoir reporter. De pouvoir reporter, et j'avais dit dans une intervention à Al-Mujahed, j'avais dit, on peut prendre la date symbolique du 1er novembre. C'est une autre révolution qu'on peut faire, en réussissant des élections le 1er novembre. Mon sentiment, c'est qu'il ne faut pas que chacun reste sur sa position. Nous avons besoin de nous écouter mutuellement. Parce que ces jeunes-là, ils ont besoin quand même qu'on leur donne les fondamentaux de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'on trouve un juste milieu. Alors, revoir ou annuler le système LMD, c'est la question de l'auditeur. Professeur Chemseddine Chitou, rapidement, s'il vous plaît. Ben, écoutez, ce n'est pas d'une façon brutale. Il ne faut pas que les gens disent, j'en élimine. Non. On va y aller globalement, revenir rationnellement à ce qui se fait ailleurs. Pour la petite histoire, le LMD a été fait en Europe pour des Européens. Il n'a pas été fait en Europe pour des Algériens. Mais il avait été décrié au début de sa mise en place. On n'a jamais écouté ceux qui l'ont critiqué. Entre autres, j'ai vu. On a fait comme on a l'habitude de faire. Oui, j'avais même dit à M. le ministre Haroubi, attention, le LMD suppose la mobilité. Il n'y a pas de mobilité. Suppose une disponibilité énorme d'équipements, de moyens. Il suppose un cap. Regardez en France, ils ont bien le LMD dans quelques universités. Mais personne ne touche à leur formation d'ingénieur. Elles sont intactes. Nous produisions, il y a 10 ans de cela, près de 10 000 ingénieurs. Maintenant, zéro ingénieur. On produit du LMD. Qu'est-ce qu'on sait faire avec? Et maintenant, nous avons cette boulimie, licence, ensuite on pousse au master, ensuite on pousse au doctorat. Mais qu'est-ce qu'ils valent, objectivement? C'est ça le gros problème. Mais vous en pensez quoi du LMD? Pardon? Vous en pensez quoi du LMD? C'est la question aussi qui s'enchaîne. Oui, moi, le LMD, me semble-t-il, n'est pas fait pour nous. Il faut revenir à l'universel. Et même mieux, le bac lui-même, il faudrait peut-être penser à en faire un diplôme de fin d'études secondaires. Regardez, est-ce que c'est normal qu'on mobilise 500 milliards chaque année pour une épreuve qui, en fait, en définitive, n'existe pas? Parce que l'entrée à l'université, c'est par des quotas, c'est l'ordinateur. Donc le LMD, il faut graduellement, en sortir, reconvertir, faire en sorte qu'on puisse donner une teinte technologique au LMD, de telle façon à mettre en place les nouvelles structures d'ingénieurs et de techniciens. Aujourd'hui, on parle bien sûr de la technologie du savoir. Comment lutter contre la mafia qui détient les budgets des doctorants-chercheurs? Ainsi, comment veiller à ce que ces derniers puissent être bien encadrés tout en sachant que le bal est bien profond? Professeur Chitour, c'est la question de l'auditeur. Ben écoutez, c'est très simple. J'avais dit en début, pour avoir géré aussi, et pour avoir géré un établissement, je me souviens quand j'étais directeur à l'école polytechnique, je disais au conseil scientifique, écoutez, je suis secrétaire de séance, moi en tant que directeur, c'est vous qui décidez en tant que conseil scientifique. Il faut revenir au conseil scientifique. Les grands problèmes, les grands scandales qui ont eu lieu, c'est l'interférence du recteur. Il ajoute des noms sur une liste, alors que le conseil scientifique a décidé. Il y a eu un jury, ils ont arrêté, alors il y a eu du trafic. Mais si vous dites aux enseignants, c'est vous qui décidez en votre âme et conscience, il n'y a pas de problème. Il faut mettre en place une charte de l'éthique. On avait contribué à cette charte de l'éthique où tout le monde, la famille universitaire, les élèves, les étudiants, les enseignants, l'administration, chacun dans son rôle. Mais un principe, le recteur, le chef d'établissement n'ont rien à voir avec la pédagogie. C'est du strict ressort des conseils scientifiques et des enseignants. Professeur Chemseddine Chitou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci.